Bonjour à tous. Bonne fête du Canada. Où que vous soyez, j'espère que vous célébrez les gens incroyables, le terroir et l'histoire du Canada. C'est une histoire qui a commencé il y a bien plus de 157 ans, avec les peuples autochtones qui vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. C'est une histoire de sacrifice. Lorsque les soldats canadiens ont pris d'assaut les plages de Normandie, ils savaient qu'ils risquaient leur vie. Mais la liberté, même celle de ceux qui se trouvaient de l'autre côté d'un océan, et celle de générations de personnes qu'ils n'allaient jamais rencontrer, valait la peine d'être défendue. Il ne faut jamais tenir pour acquis nos droits et nos libertés. Ils sont protégés à chaque jour par des pionniers, des journalistes, des activistes, des organisateurs, des gens qui veulent continuer de bâtir un pays où on peut être en désaccord, parfois avec énormément de passion, mais où on unit toujours nos efforts pour atteindre quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Un pays où chacun a une chance égale, peu importe qui il est, d'où il vient, comment il prie ou qui il aime. Ce sont ces valeurs qui nous unissent en tant que Canadiens. C'est la raison pour laquelle tant de personnes aux quatre coins du monde laissent tout derrière elles pour faire partie de notre histoire. Une histoire qui comporte des injustices auxquelles on fait face sur le chemin de la réconciliation. Une histoire durant laquelle on a appris qu'on est plus fort, non pas malgré nos différences, mais grâce à elles. Une histoire qui continue d'être écrite par des Canadiens incroyables qui se battent pour leur communauté et leur pays. Des travailleurs et bénévoles qui se sont occupés des plus vulnérables pendant les longues journées de la pandémie. Des courageux premiers intervenants qui, en ce moment même, se précipitent vers le danger pour protéger les maisons contre les feux de forêt, sans oublier les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes qui sont aux premières lignes de notre lutte pour la démocratie et la liberté. Des personnes courageuses, bienveillantes et résilientes. Qui sont au cœur de l'histoire du Canada. Voilà pourquoi notre pays est le meilleur endroit au monde. Continuons de le rendre encore meilleur ensemble. Bonne fête du Canada!